good evening, ladies and gentlemen. Bonsoir à tout le monde et bienvenue. Welcome to this occasion. You have interpretation, please. If you want interpretation, kindly look for your headset. We have interpretation. Technician, please. We need the headset. So, ladies and gentlemen, I'm not seeing the technicians. Technicians, please, we need headset. Here and there. So we are all welcome to this site event on the mobilization of resources for the implementation of the Great Green Wall. We're going to talk about the current status, and then we'll look at innovative financing mechanism and strategies for the Great Green Wall. I really need to see the headset. Novelty? Je dis, s'il vous plaît, il faut prendre les écouteurs pour le ministre. Prends les interprètes là pour le ministre derrière. Qu'est-ce qu'ils font? Derrière là-bas, le gars en noir là. S'il vous plaît. Oui. So, Your Excellency, the Minister of Environment from the Republic of Mali, the Executive Secretary of the Pan-African Agency for the Great Green Wall, the representative of the World Food Program, the CEO of the Great Green Wall Foundation for Africa, and the senior policy officer on financing climate change, Dr. Aruna Somare. Colleagues, welcome to this site event, which is going to focus on financing the Great Green Wall, looking into the issues of innovative finance, and also talking a bit about the current status. So on behalf of the Africa Union Commission and on behalf of the partnership of the Africa Pavilion, I wish to welcome you to this event. This is one of the site events, one of the several site events on the Great Green Wall that is taking on this evening. And we appreciate the fact that you are here this evening, despite being the last event of the evening. So in terms of introduction, we would really like to express our gratitude to the high level attendance, especially to our partners, WFP, the Africa Development Bank, the Great Green Wall Foundation for Africa. I would like to recognize the representative of the Southern Africa Development Committee Secretariat, our colleagues of UNCCD, our colleagues of Global Water Partnerships, all the Director Generals of the Great Green Wall agencies and coordinations, our supporters from CSOs, from international non-governmental organizations, from the UN systems. And thank you so much for being here this evening. We appreciate you. The Great Green Wall is a Pan-African Sustainable Land Management and Restoration Initiative that was initiated since 2005, 2007, 2010 with the creation of the Pan-African Agency for the Great Green Wall, currently housed in Nouakchott in the Islamic Republic of Mauritania. This evening, we were going to listen to our high level. The minister is here. The minister of Chad is also on his way. And we would like them to talk about financing.
So without much ado, I would like to first of all call on Mr. Joseph Foelu Folai of the Great Green Wall Foundation for Africa for a short statement. Joseph. All right, thank you very much. And I welcome everyone here. I'd like to say a big thank you for having me here. My name is Joseph Folai, and I'm the Executive Director for the Great Green Wall of Africa Foundation. Our organization helps to facilitate some of the climate initiatives across Africa, namely the Great Green Wall, which is one of the most critical events and projects that we're supporting. So tonight, I'm here to just say a few words, really, and just to kind of about what we do and how you guys can engage with us. So we do two key things. As I said, the number one thing that we do is help to facilitate, you know, some of these initiatives in Africa. And this is as a result of some of the researches and things that we have done over the years, just to kind of take an assessment of what's going on in terms of initiative such as the Great Green Wall, which was commissioned back in 2007. And you know, when we looked at this back in 2022, which was exactly 15 years after its inception, we were still under 15% of the project was completed. And this is a project that has a lifespan and a target of 2030. So how do we go from 15% in 15 years to 85% that we have to do over the next 7 years? So these are some of the things that we have looked at, and we thought we needed to look at things from a different perspective. Of course, there's a lot of conversation, a lot of advocacies about financing, but we thought it was a little bit more than that. So from our perspective, what we saw was that, you know, when this project started, it was more of a government-driven initiative. It took a while before we started to realize that this was not going to take us anywhere. So we had to start engaging the communities. And that was one of the things that we saw, which was a very, very critical ingredient in moving such a massive project. So what we started doing was trying to get the communities, first of all, is helping them to understand what this project is, right? And that's the first thing. And then the second thing is helping them to understand what are the direct impact on their communities, on their families, their children and wives, and so on. So we did this, and by doing this, we were able to rally the communities and rally the people around the community to start understanding how important this project is to them. So that happened. But above and beyond that, we also recognize the need for technical support. We recognize the need for financial support. We recognize the need for capacity building support. So over the last year or so, we have been working on launching a fund which will be supporting this project. And just last week, we launched a fund, which is a $1 billion fund, which is going to be supporting a lot of these initiatives. And I'm so proud to be here sitting with the executive secretary of the Pan-African Agency, whom we have been working with for the last several months now. So the message here is really to say that we all have a part to play, right? We're a foundation. We're doing the best that we can. There's a lot of talk about, you know, advocacy about action and things that need to happen. But I really think that every little step that everyone takes is going to add to this and help us to reach where we're going. We have 7 years agenda, from now to 2030. It's a lot of work to do. We're talking about 120 million square kilometers of land that need to be reforested. And we're just under 15% completed right now. So long story short is that we're doing what we can. And of course, we're mobilizing this capital. We're going to be deploying it to project. Of course, we're going to work with a lot of you guys that are in this room to identify which of those projects are the type of project that we can really put these funds in to really help to move the needle on the Great Green Wall project. So looking forward to working with everyone. That's what I have to say. Thank you very much. Thank you very much, Joseph, for the commitments and for the commitments of your organization. I think the issue of finance, as you said, is very important. And irrespective of
what we say, the Great Green Wall has done a marvelous job in mobilizing financing for sustainable land management and for combating desertification. I think we need to give it to the head of state that started this initiative. And the issue of finance will always be a problem. It's always short, it's never enough, but I think a lot has been done. A lot still needs to be done, especially considering the emerging challenges of climate change, emerging challenges and the consequences of migration, conflict, and all what we have today. On that, I would like to call the head of Division for Resilience at the World Food Program, Ms. Avoli. Please, can you tell us what you are doing? Thank you. Good afternoon, good evening, and ladies and gentlemen, excellencies, facilitator, thank you very much for inviting the World Food Program and me at this event. We are deeply honored as an organization to be part of this event, but also part of the Great Green Wall Initiative. We are now officially also members of the Technical Committee of Experts. And we have been engaged. We have an MOU with the Great Green Wall. We have a number of commitments that we are now engaged with the Great Green Wall Authority. But also, we are implementers. We are supporting governments and national ministry of environments to implement the commitments of the Great Green Wall. In the last 5 years, we had what we call the Integrated Resilience Initiative Scale Up, which is a long word to say massive land restoration together with people, with government institutions and partners, around 58 partners. The incredible thing that this happened across 5 countries, it covers now 3.2 million people in 5 years, local communities using a territorial-based approach, following a logic that is both hydrological but also socio-cultural, le concept de terroir, mais aussi le concept de terroir et leur hydrologie. Sorry if I'm shifting into French and then to English, but some concepts are better in different languages. And I've been myself until I was pulled back to Rome, my hometown. Part of this, together with a number of colleagues here in this room. 300,000 hectares, or close to that, have been achieved since the last 5 years. Over 3,000 communities, 600 shallow wells, 400 boreholes, as a result of the interception of water and the recharge of water tables. More than 3,000 woman-led gardens resulting from the uplifting of the aquifers and the water tables because of the land restoration. Those landscapes around the 5 countries, Mauritania, Burkina Faso, Mali, Niger, Chad, are examples of what works. Now, how this links to fundraising, how this links to the mobilization of resources. In 5 years, generous donors have contributed over $700 million for this program alone. This is because we began to document, to raise the evidence that a lot of stakeholders want when we discuss this type of interventions. We need to measure, we need to tell the story. In the Sahel, we have coined a way to discuss about successes, which is on appelle ça les griots de la résilience. Il faut raconter la vraie histoire de ce qui se passe. Du bas vers le haut et vice versa. We have not done a good job to mobilize attention in visibly telling the stories of what changes are occurring as we speak in many of these places. So now we are committed to work with the Great Green Wall, but also we are now advocating with UNEP, with the UNCCD, with several donors to try to come together as a coalition for this great idea, because the Great Green Wall is a metaphor of a construct.
of a joint effort, a barrier against hunger. And this is what WFP is concerned about. Guess what? Most of our clients, of the people that we are supported as food insecure, are in the Great Green Wall Belt, from the Atlantic to the Red Sea. We need to stop that. And land restoration at scale, we have data from Niger from last year, in spite of the worst drought since 2012, 80% of the people in the communes that were assisted through this program didn't need any humanitarian assistance since the last 2 years. And they were in the category of IPC 3, IPC 4. So these are excellent news, but we need to bring it up. We need to also bring up the visuals and the evidence from research. We are working with 16 universities across Africa. 10 of them are in the Sahel, in all the 5 countries. So how we can leverage on those new talents to build also a stronger case. We are hopeful. We are engaged now to bring together with our colleagues from the Great Green Wall a different image, a different perception of what those landscapes can become. And we really thank your engagement and l'engagement de tous les États à tous les niveaux, sur tous niveaux de concentrer. Et je voudrais aussi remercier votre attention parce qu'on est en train de répliquer les bonnes pratiques d'un grand monsieur qui est décédé il y a quelques jours, Yacouba Sawadogo. Un des grands champions, j'ai eu l'honneur de visiter la zone de son intervention et on a inspiré un nombre de techniques qui accompagnent son intuition formidable qui maintenant s'étale sur des centaines de milliers d'hectares partout en Afrique, pas seulement au Sahel. Voilà, donc je voulais terminer par honorer ce géant de la restauration des eaux de sol qui continue à nous inspirer et vous remercier pour vous nous permettre de vous accompagner dans cette trajectoire de succès. On est sûr de ça. Thank you very much, Monsieur Velu. In pursuit of innovative financing mechanism, we must explore diverse funding sources and strategy. This includes private sector partnership, impact investment funds, green bonds, crowdfunding, debt swaps, and all the financial mechanisms that we can do. So, Dr. Haruna Somare, he's of the Africa Development Bank, and he's responsible for the Great Green Wall, the Africa Development Bank. Please, Dr. Somare. Merci beaucoup. Je m'excuse, j'ai la voix un peu cassée après. Ça marche pas. Hein? Oui, ça marche. Ça marche, ok. Merci beaucoup. J'ai la voix un peu cassée aujourd'hui. Après plusieurs sessions où on a participé ces derniers jours. Je voudrais juste d'abord, au nom de la Banque africaine de développement, vous remercier d'avoir convié cette plateforme de discussion avec les partenaires. La Banque africaine de développement s'est engagée très tôt dans la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte. Nous avons, depuis de très très longues années, un certain nombre d'opérations dans le Sahel, dans la Corne de l'Afrique, dans tous les pays qui sont des pays de la Grande Muraille Verte. Et lors du sommet du One Planet Summit, la Banque s'est engagée de manière très ambitieuse à hauteur de 6,5 milliards à accompagner ce programme. Et depuis lors, on s'attelle à travers nos projets, nos plans, nos programmes, mais aussi à travers l'engagement que nous avons avec les pays de s'assurer qu'il y a un effort d'alignement beaucoup plus important avec la Grande Muraille Verte. Il y a un certain nombre de projets au niveau national et aussi au niveau régional qui, de manière directe ou de manière indirecte, contribuent à la Grande Muraille Verte.
J'ai pu passer du temps aujourd'hui à citer tous ces projets que nous avons dans la région. Le projet d'appui à la résilience et à la sécurité alimentaire dans beaucoup de pays, le projet Brefond en Afrique de l'Est et bien d'autres projets qui contribuent à participer à l'effort de la Grande Muraille. Je voudrais peut-être axer mon intervention sur les leçons apprises ces dernières années dans l'engagement auprès de la Grande Muraille Verte, mais aussi comment on peut faire mieux ensemble. Et je crois qu'il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut retenir. Le premier élément à retenir, c'est que si la Grande Muraille Verte est aussi importante au niveau national, il faudrait que les projets de la Grande Muraille Verte se reflètent dans les décisions d'investissement dans nos pays. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de... Tous nos pays sont engagés avec la Banque africaine de développement. Nous avons des documents de stratégie pays. Nous avons des allocations sur le Fonds africain de développement qui sont allouées à ces pays. Et c'est extrêmement important de faire cet effort d'alignement pour que les rares ressources qui existent au niveau national soient aussi orientées vers la Grande Muraille Verte, ne serait-ce qu'en partie. Ça permettra d'avoir un effet de levier beaucoup plus important pour pouvoir aller chercher ensemble les ressources que nous n'avons pas. L'autre élément important, c'est la nécessité de renforcer l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte au plan technique, au plan institutionnel, pour doter l'agence de capacité à pouvoir faire son mandat, à pouvoir aussi mobiliser des ressources et à faire le travail de coordination. Et ça, nous y attelons aussi à travers un certain nombre d'initiatives que nous avons au niveau de la Banque de renforcement institutionnel. Mais il serait important qu'on ne le fasse pas en silo, mais qu'on le fasse avec l'ensemble des autres partenaires. Et ça m'amène à une question importante, c'est la question de la coordination entre les bailleurs de fonds. Aujourd'hui, tous les bailleurs de fonds ont des projets Grande Muraille Verte. Chacun plante son drapeau quelque part. Il faudrait qu'on arrive ensemble à avoir un cadre harmonisé d'intervention qui permettra d'aligner nos efforts, qui permettra d'utiliser toute la panoplie d'outils que nous avons sur le plan financier pour pouvoir appuyer la Grande Muraille Verte. La Banque africaine de développement a des allocations de ressources destinées au pays. Nous avons des allocations de ressources qui sont des allocations sectorielles qui vont à des secteurs, l'eau, l'énergie, l'assainissement, la gestion durable des terres, les jeunes, les femmes. C'est un premier point d'entrée. D'autres partenaires peuvent venir avec d'autres types de mécanismes financiers, le GEF, le GCF, ainsi de suite, les mécanismes innovants. Il faudrait qu'on arrive à travailler ensemble pour utiliser toute la panoplie d'outils. Et ce que nous sommes en train de faire au niveau de la Banque africaine de développement, durant la COP, on vient de lancer la fin d'action climatique parce qu'on s'est rendu compte que, de manière générale, les projets que nous avions au niveau sectoriel dans les allocations au pays ne permettait pas toujours d'aller sur la Grande Muraille Verte, notamment sur les projets d'adaptation au changement climatique. On a ajouté un nouveau levier qui est le Climate Action Window qui permettra de mobiliser des ressources qui ne sont pas des prêts, mais des dons éligibles au pays, mais aussi éligibles aux acteurs locaux, éligibles aux organisations de la société civile, de sorte à ce qu'on puisse l'utiliser comme un effet levier. Il en est de même d'autres outils que nous cherchons à mettre en œuvre. Mais c'est extrêmement important d'avoir un cadre d'intervention harmonisé. La Grande Muraille Verte dispose d'un plan d'investissement. Nous avons un plan d'investissement qui a été mis en œuvre, préparé par les pays. Nous avons l'accélérateur de la Grande Muraille Verte avec ses 5 piliers et ses indicateurs. C'est extrêmement important aujourd'hui que si quelqu'un dit qu'il fait un projet Grande Muraille Verte, que ce projet-là soit labellisé Grande Muraille Verte et qu'on soit au moins d'accord sur un certain nombre de conditions minimales pour qu'un projet puisse être un projet Grande Muraille Verte. C'est de cette manière-là qu'on arrivera ensemble à mobiliser des ressources pour avoir des projets flagship Grande Muraille Verte au niveau national, mais aussi au niveau régional. Et là aussi, il y a un certain nombre de défis qu'on connaît tous. L'addition des projets nationaux ne feront pas des projets régionaux. Donc, il est extrêmement important, avec les banques de développement comme la BAD, mais aussi les autres banques régionales, qu'on puisse aller ensemble avec nos ministres de l'économie et des plans, aller chercher l'argent sur les enveloppes régionaux. L'enveloppe régionale nous permet de faire un certain nombre de choses que nous ne pouvons pas faire au niveau des budgets nationaux. Et ça, pour moi, c'est un aspect assez important. L'autre élément important à mon niveau, c'est le secteur privé. Aujourd'hui, dans la Grande Muraille Verte, un des maillons manquants, c'est l'implication du secteur privé. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits ces dernières années.
Il est important aussi qu'on travaille ensemble pour mobiliser le secteur privé autour de la Grande Miravette à partir d'un certain nombre de chaînes de valeur, mais aussi à un certain nombre de mécanismes innovants qu'on peut mettre sur la table pour pouvoir travailler avec ce secteur privé. Le dernier élément sur lequel je veux vraiment insister, c'est la coordination entre les partenaires au développement. Je crois qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, il y a une très grosse dispersion de l'effort. La Grande Miravette mérite plus que ce que nous faisons, aussi bien au niveau de la Banque africaine de développement qu'au niveau des autres. Mais c'est important d'amener autour de la table les acteurs qui prennent les décisions d'investissement. Si nous continuons à laisser la Grande Miravette au ministère des Eaux et Forêts, au ministère de l'Environnement dans nos pays, et qu'on n'amène pas les autres secteurs qui prennent les décisions d'investissement dans nos pays, on n'arrivera pas à avoir l'effet levier escompté. Le dernier point, c'est le cadre au niveau continental. Nous avons une agence panafricaine de la Grande Miravette sur 11 pays. Mais il y a beaucoup d'autres initiatives qui se passent au niveau national en dehors de ce cadre-là qui parlent à l'agenda de la Grande Miravette. Il faudrait ensemble qu'on arrive à les amener pour, dans le cadre de l'aspect de la stratégie continentale pour avoir une stratégie d'ensemble qui ne soit plus une stratégie sectorielle mais qui touche à l'ensemble des agendas. Aujourd'hui, nous avons un agenda sur le changement climatique avec ce qui se passe ici, l'agenda sur les solutions basées sur la nature. Nous avons un agenda sur la désertification avec toutes les discussions qu'il y a sur la neutralité en matière de dégradation des terres, les mécanismes qui se mettent en place. Nous en avons un autre sur la biodiversité. Il faudrait qu'on arrive à aligner les étoiles pour parler d'une seule voix. Si vous êtes un fermier sur le terrain, vous ne savez pas ce que c'est un NDC, vous ne savez pas ce que c'est un LDN ou le cas de Cumming. Vous avez des besoins immédiats de restauration de terres, de gestion durable, de moyens d'existence durable. Il faudrait qu'on change nos manières de faire et nos approches pour pouvoir arriver à vraiment mobiliser de l'argent et avoir une autre discussion que la discussion que nous avons actuellement avec la dispersion des efforts que tout le monde peut constater, mais aussi le manque d'implication des acteurs au niveau national sur les cas de décision et d'investissement que nous devons changer. Excusez-moi, ma voix est complètement cassée, mais je voulais simplement dire que... Merci beaucoup. Merci, Aruna. Même avec votre voix, maintenant, me rappelle un chef d'État africain. Merci beaucoup. So we are going to call now the Executive Secretary of the Pan-African Agency for the Great Green Wall, Dr. Sahid Ibrahim. C'est bon. Bonsoir tout le monde. Je voudrais, avant de commencer mon propos, féliciter les organisateurs de cet événement si important pour la reconnaissance de la mobilisation des ressources. Si on parle aujourd'hui des ressources, on prendra toute la nuit pour parler rien que des ressources, parce que tout le monde en parle, mais on n'arrive jamais à concrétiser ces ressources-là. C'est pourquoi moi, je synthétise au niveau de ce que je voulais dire sur l'état actuel des choses, de ce qui se passe exactement. Donc, en cinq points importants, le développement d'une stratégie de ressources au niveau des structures et un plan d'action à cycle quinquennal. Il y a une volonté des États également pour que chaque pays puisse contribuer lui-même par ses propres ressources avant d'attendre ce qui se donne au niveau international, les partenaires techniques et financiers. Et le troisième point, c'est quoi ? C'est que l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte a acquis un momentum tel que aujourd'hui, à travers tout le monde, à travers tous les projets qu'on connaît, il n'y a que le passage par la Grande Muraille Verte pour avoir des investissements. Et là, c'est quelque chose de très important. La Grande Muraille Verte est un passage obligé de toutes les ONG et de tous les acteurs. Le quatrième point, c'est
c'est un plan d'investissement, qui est le plan d'investissement dont a parlé M. Soumaré tout à l'heure, le PIPD, qui est un programme régional pour la trajectoire 2030. C'est par la suite de ces intervention que le plan PIPD s'est lancé et les bailleurs de fonds, les partenaires techniques et financiers ont promis de financer sur la base de ce plan PIPD, qui a 5 portefeuilles et 18 programmes qui sont inclus dans tous les projets qui puissent être faits au niveau des investissements. Il y a également des annonces qui ont été faites en marge de l'organisation de One Planet Summit. One Planet Summit en janvier 2021, des annonces des partenaires techniques et financiers ont été faites à hauteur de 19 861 millions de dollars pour investir dans les projets de l'initiative de la Grande Muraille Verte. Ceci est resté au niveau des annonces parce que jusque-là, la Grande Muraille Verte n'a ni vu ni connu quelque chose que ce soit au niveau de ces investissements, de ces financements. Pour ce qui est également des investissements futurs, autofinancement même au niveau de l'Agence panafricaine, avec la base, nous avons développé des initiatives pour la banque Grande Muraille Verte Carbone, le Fonds d'adaptation et de résilience au changement climatique et au développement local, et également le FOREP, le Forum pour l'investissement de le FOREP sur le, comment on appelle ça, le forum que j'ai oublié tout à l'heure, le forum économique sur les produits de la Grande Muraille Verte. Et au-delà de cela, une plateforme impliquant le secteur privé national, régional et même international a été faite. Donc, voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Excellence. Thank you very much for that eloquent pronouncement. So we are now calling on the Minister for Environment for the Republic of Mali to give us his statement and his plans for the Great Green Wall and for restoration in his country. Monsieur le Ministre. Merci, monsieur le coordinateur Elvis. Monsieur le secrétaire exécutif de la Grande Muraille Verte, monsieur le directeur de la Fondation Grande Muraille Verte, monsieur le directeur résilience du Programme alimentaire mondial, PAM, Monsieur Soumaré, monsieur le responsable chargé de la Grande Muraille Verte au niveau de la Banque africaine de développement, chers invités en vos rangs, grades et titres, tout protocole confondu, je vous dis bonsoir et bienvenue
à cet événement parallèle organisé par la Grande Muraille Verte en marge de la COP 28 pour parler des aspects de financement par rapport à la Grande Muraille Verte. Tout d'abord, je félicite les organisateurs pour cette initiative et sur ce thème particulièrement important pour la mise en œuvre des projets au niveau de la Grande Muraille Verte. Et je suis particulièrement heureux de me retrouver au niveau de ce panel cet après-midi parce que le Mali vient d'être désigné par ses pairs pour prendre la présidence de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Donc, le sommet qui vient de se passer, le sommet ministériel à Abuja, donc, il a été décidé à l'unanimité que le Mali puisse prendre la relève du Nigeria. Et la conférence des chefs d'État qui devra se dérouler courant premier trimestre 2024 devrait matérialiser cette passation de témoins. Donc, c'est l'occasion pour moi de remercier au nom des plus hautes autorités du Mali nos sincères remerciements à l'ensemble des pays de la Grande Muraille Verte et à l'ensemble de tous les partenaires qui accompagnent notre organisation. C'est une fierté pour le Mali et nous vous assurons que nous allons rehausser haut, en tout cas, les drapeaux de notre institution. Et nous félicitons le Nigeria pour tout le travail qui a été abattu et nous nous engageons à prendre la suite et à mettre tout en œuvre pour continuer sur cette lancée et renforcer vraiment les acquis de cette organisation qui est très importante vu en tout cas les enjeux qui sont les siennes. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, cette organisation de la Grande Muraille Verte aujourd'hui est à un niveau critique et un niveau historique de son histoire. Au départ, l'idée par les initiateurs de cet instrument, c'était de faire une ceinture verte entre les régions sahariennes, sahéliennes et les zones, en tout cas de la savane, où on avait les formations forestières. Donc éviter que la désertification ne puisse continuer au-delà du Sahara, traverser la zone du Sahel et puis jusqu'à aller atteindre les zones où on a de la verdure. Et nous nous sommes rendus compte que cet esprit était bien, mais ce n'était pas suffisant. Parce que planter les arbres, c'est très bien, mais la finalité de tout ça, c'est planter des arbres au service des populations qui vivent dans ces territoires. Nous nous sommes rendus compte, avec le temps, qu'on ne peut pas s'occuper des arbres sans s'occuper des populations qui vivent sur ces territoires. Donc, d'où cette réorientation des objectifs de la Grande Muraille Verte en intégrant l'ensemble des aspects sociaux, économiques, culturels des populations qui vivent dans cette bande que je peux appeler un peu la bande sahélienne parce que c'est la ceinture qui existe entre le Sahara
et la zone boisée ou la zone forestière. Donc, c'est pourquoi il a été décidé d'avoir une approche holistique, une approche globale. Et quand bien même, lorsqu'on plante des arbres, et qui va s'occuper de ces arbres-là? C'est les populations qui vivent sur ces territoires. Et si on plante des arbres, les populations qui vivent sur ces territoires n'ont pas d'eau à boire, ces populations ont soif, n'ont pas de moyens de subsistance, on n'aura rien fait parce qu'il n'y aura personne pour entretenir ces arbres. Donc, en plantant les arbres, mais en même temps en s'occupant des populations qui sont dans ces zones, ces populations auront forcément un intérêt pour s'occuper de ces arbres. Et c'est la meilleure façon d'ailleurs de les sensibiliser sur le plan environnemental à s'occuper de ces arbres-là et eux-mêmes à endosser la paternité en fait de cette initiative et pouvoir prendre les relais au-delà des projets que nous allons initier dans ces zones. Parce que le but, c'est ça. Les projets ont des vies, ont des durées de vie. Mais le plus important, ce n'est pas cette phase-là. Le plus important, c'est après les projets. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que les activités que nous initions puissent être pérennes et que les populations puissent les endosser et en faire siennes et pouvoir prolonger les acquis de ces activités, de ces projets, au-delà de la phase d'exécution de ces projets. C'est pourquoi il est très important d'avoir cette approche holistique, prenant en compte les besoins des populations et en même temps intégrant les aspects environnementaux. Donc, depuis ce virage, la Grande Muraille Verte, finalement, a intégré, disons, une dimension transversale. Et aujourd'hui, elle concerne pratiquement tous les, en tout cas, domaines qui touchent aux subsistances des populations, aux activités socio-économiques de tous les jours. Et c'est pour cela que désormais le rôle des agences nationales de la Grande Muraille Verte sont au cœur du développement des zones couvertes par la Grande Muraille Verte. Donc, ce qui veut dire que désormais les agences doivent muter au-delà des projets qu'elles vont elles-mêmes initier, elles doivent avoir un rôle de coordination très important. Et on ne peut pas, disons, empêcher les autres acteurs d'intervenir dans les zones de la Grande Muraille Verte. Parce qu'avant la Grande Muraille Verte, certains acteurs intervenaient sur ces zones-là. Et jusqu'à présent, les acteurs continuent à intervenir. Ce n'est pas ça le problème. Maintenant, le problème, c'est que comment faire en sorte que les agences aujourd'hui qui ont été créées et qui couvrent ces zones-là puissent, disons, faire les relais entre l'ensemble des acteurs qui interviennent sur cette zone, coordonner, essayer de faire en sorte qu'il y ait une synergie entre l'ensemble des actions pour optimiser les interventions et pour maximiser l'intérêt de ces interventions sur les populations. Je pense que ça, c'est une dimension très importante que les agences de la Grande Muraille Verte doivent désormais faire sienne pour pouvoir être plus efficaces. Au-delà de ça, elles peuvent elles-mêmes mobiliser les financements, mobiliser des projets, des programmes, à travers notamment les plans d'investissement dont le secrétaire exécutif a parlé, et amener les partenaires directement à investir sous son leadership. Mais au-delà de ça, jouer ce rôle de coordinateur de l'ensemble des partenaires qui voudraient ou qui interviennent dans la zone et en même temps collecter toutes les informations statistiques nécessaires pour qu'on puisse suivre le développement de ces zones-là et capitaliser les différentes interventions et pour pouvoir, au fur et à mesure, en tout cas, suivre l'évolution et corriger les erreurs pour qu'on puisse améliorer et faire développer les zones de la Grande Muraille Verte. Donc, ça, c'est une dimension vraiment très importante désormais que les agences devraient intégrer pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Donc, ce qui m'amène à parler, en fait,
d'un sujet aujourd'hui auquel les pays du Sahel sont confrontés. Il s'agit du lien entre les conséquences des changements climatiques, la paix et la sécurité. Ces trois thématiques aujourd'hui sont regroupées sous le label sécurité climatique. Nous venons d'organiser à Bamako du 9 au 11 novembre dernier ce que nous avons appelé le forum régional sur la sécurité climatique. Et nous avons regroupé, en tout cas reçu à Bamako, les ministres de l'environnement des 11 pays du Sahel avec l'accompagnement du PNUD pour pouvoir échanger sur le lien entre changement climatique, conséquences des changements climatiques, paix et sécurité. Nous savons aujourd'hui que beaucoup de pays du Sahel sont traversés par des crises socio-économiques et souvent institutionnelles. Mais en même temps, ces régions souffrent aussi des conséquences des changements climatiques. Il y a eu différentes approches. Chaque pays a essayé de développer des stratégies internes, individuelles, mais avec plus ou moins de réussite. Donc aujourd'hui, nous avons tiré les conséquences. Et face à cette situation, nous nous sommes dit qu'il faut avoir une autre approche. Donc c'est ce qui a été à l'initiative de ce forum sur la sécurité régionale de Bamako. Une approche, et, disons, plus globale. Et désormais sortir de ces interventions individuelles parce que les conséquences des changements climatiques ne connaissent pas de frontières. Les pays sont confrontés aux mêmes problèmes. Donc pour être efficace, il faudra avoir une solution et disons des réponses globaux, des réponses qui vont au-delà des pays, des réponses régionales ou des réponses sous-régionales. Donc, ce qui veut dire que les pays doivent travailler ensemble et avoir une même compréhension, une même lecture, une même vision des problématiques auxquelles nous sommes confrontés et pour pouvoir envisager des solutions communes et des stratégies communes qui convergent pour créer des synergies entre les différentes interventions. Donc, ce forum a abouti sur ce qu'on appelle la déclaration de Bamako sur la sécurité climatique. Et cette déclaration retrace la vision des pays du Sahel et fait ressortir l'importance désormais de prendre en compte la spécificité des pays du Sahel dans l'ensemble des interventions, en tout cas qui concernent la lutte contre les conséquences des changements climatiques pour pouvoir être plus efficace. Et vous savez que les conséquences des changements climatiques, l'Afrique est le continent le plus exposé, le continent le plus vulnérable. Mais quand vous prenez le continent africain aussi, les régions du Sahel ou la région du Sahel est la région aussi la plus vulnérable. D'où il faudrait reconnaître cette spécificité de la particularité ou de la vulnérabilité des régions du Sahel par rapport aux conséquences des changements climatiques. Alors que la plupart de ces zones du Sahel sont dans la zone couverte aussi par la Grande Muraille Verte. D'où les deux interventions se retrouvent. Il y a une convergence de vues en fait. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les activités de la Grande Muraille Verte sont d'une importance capitale et doivent intégrer cette dimension holistique ou globale pour pouvoir être efficace. Donc, aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous de lancer un appel aux différents partenaires, aux différents bailleurs, au-delà du PAM, de la BAD, et d'autres bailleurs, nous lançons un appel vibrant à l'ensemble des partenaires pour nous accompagner, pour pouvoir monter des projets de sécurité climatique dans la zone Grande Muraille Verte, pour pouvoir renforcer la résilience de nos populations afin de lutter contre les conséquences des changements climatiques.
En tout cas, sous notre présidence de la Grande Muraille Verte, nous allons travailler en cela pour mobiliser les partenaires et pour redynamiser les activités et les actions de notre organisme afin d'atteindre de meilleurs résultats. Donc, cette discussion, j'espère qu'on aura d'autres occasions pour l'approfondir en d'autres circonstances, lorsque nous allons vraiment prendre les rênes de la structure et pour vraiment passer à une autre étape de la vie de cette institution qui a été créée très longtemps, mais qui a du mal à prendre son envol en termes d'efficacité, en termes de concrétisation de l'esprit des pères fondateurs. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait des projets régionaux, des projets structurants qui bénéficient vraiment aux populations. Donc, c'est quelques mots que je voudrais dire en cette occasion. Donc, vraiment, merci beaucoup pour votre participation et bon courage à tous. Merci. Merci, Excellence. Merci. Merci, Excellence. C'était vraiment émouvant. Merci beaucoup. Comme vous le savez, Excellence, depuis un certain moment, l'Union africaine avait commencé l'extension de la Grande Muraille Verte. Et depuis un certain moment, on travaille aussi pour partager les leçons avec ceux qui sont dans les zones Afrique australe. Et donc, je vais donner une minute à notre collègue de la communauté de développement de la zone SADC, Madame Sibongile, pour nous donner juste une minute d'allocation sur ce qu'ils font dans ces zones. Merci beaucoup. Avec votre permission, Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Thank you very much, Moderator Elvis. My name is Bongile Mavimbela from the Southern African Development Community Secretariat. All protocol observed, good evening, ladies and gentlemen. I'm here to speak briefly about the SADC Great Green Wall Initiative. Now, the Great Green Wall is an African flagship program. We also, as the SADC region, have decided to embrace the concept and implement it in our region. The concept has been endorsed by our ministers of environment, as well as our presidents recently in this COP, who have come together in a high-level event to support the implementation of the Great Green Wall in the SADC region. As well as the STC of the African Union, we have a decision whereby Southern Africa is is being supported to implement the Great Green Wall. We've got 6 thematic areas which we are implementing, and we have decentralized these thematic areas to our different partners, because this is not a process which can be implemented by one organization. As a SADC secretariat, we are the main coordinators of the process, because luckily in the SADC region, the Great Green Wall falls within one regional economic community, so it becomes easier to coordinate and have a strong centralized system. But we've got our partners who are present in the room: Global Water Partnership, we've got SACRI, we've got CADESA, we have got UNEP, we've got AFDP and other partners that are helping us to implement the Great Green Wall in the SADC region. We are very blessed to have lessons to learn that we have learned from the Sahara Sahel and the Horn of Africa in the over a decade period of implementation of Great Green Wall. But we also believe there is more lessons that also Sahara Sahel, as they continue with the journey, can learn from the SADC region, because we are a unique region with a number of challenges that we are trying to address through the Great Green Wall. But we are also a very innovative and well-structured and organized region, whereby we can coordinate and support our member states and our vulnerable communities towards attainment of better restoration processes in our region. We also blessed by not having so much conflict and migration issues as we see in the Sahara Sahel region,
but we are vulnerable in the sense that we have high levels of food insecurity, we have high levels of biodiversity loss, we have high levels of vulnerability towards climate change and drought. But we are a very well-structured institution that can embrace even financial resources and utilize them sustainably towards attainment of the Great Green Wall in the SADC region. The other thing I would like to mention is that there is an African proverb, Elvis, that says, if you want to go fast, go alone, but if you want to go far, go with others. So we would appreciate the embracement from the Sahara, Sahel, and the Horn of Africa, or to embrace the Southern African region and walk with us. And in terms of resource mobilization, when we talk about mobilizing resources for Great Green Wall, please do not forget the Southern African region in that process, because we are one Africa, we are one continent. We need to move together as a team and as a collective. And as we hold these side events, every time as the Southern African region, we do not leave out the other regions. We do not leave out the AUC. We do not leave out other bodies and structures, because the only way we are going to win this war is by moving together as a collective, as one African continent. Thank you. Thank you very much for that short but very informative and big lessons for us. As we say, desertification in one country is desertification in all the countries. So we cannot move alone. We have to move together. I think that said, we have a couple of announcements. Joseph, you have an announcement for tomorrow evening. There's a African cultural evening, art and music performance tomorrow, 6 p.m. at the Green Zone. And it will be a Great Green Wall Focus, and it's organized by GGW Foundation. I think, before thanking you, say this, it was a very good evening. The general summary of it is the Great Green Wall is there. We have the challenges, as we know, desertification, which has led to a lot of challenges of food security, a lot of challenges of migration. Conflict now is a major one that we are dealing with, but we also have a lot of positives, like the impacts that we are doing, the implementation with key partners, like what the ministers have said. Mali takes over the next presidency of the Pan-African Agency, they are really going to focus on ensuring implementation. And we are really, really assured by what His Excellency has said. I think now is just time to thank you very much for your attendance. It's 20 minutes past 8. We'll say thank you. The next Great Green Wall event will be at the Humanitarian Pavilion. Yeah, you can say. Yeah, I think it's important that we all attend this event tomorrow. It's starting at 6 p.m., and it goes from 6 p.m. to 9 p.m. tomorrow. We're going to be having some African art, and we're going to be having some African fashion, and there's also some emerging African musicians that are going to be there as well. So it's in an amphitheater. So it's an open space. So please come and join us there tomorrow to celebrate. I think there's a lot of work that we're doing, but there's also a lot of results that we've seen. So I think it's worth celebrating that. So please come and join us tomorrow at 6 p.m. It's at the Green Zone stage. Thank you. Thank you. On that note, let me say thank you. We recognize all of you. And we have the next site event like this on the 8th, which will be talking about the
the new Great Green Wall strategy done by the Africa Union. And we would also like to recognize all those who have been here, our brothers from the Congo Basin. I don't know what is in his back, but I'm sure it's something nice. We would also like to recognize our able ambassador for the Great Green Wall, who is pushing everything for the Great Green Wall, Tabi Joda. You will have time to speak. And on that note, Your Excellency, merci beaucoup. Thank you very much, and have a good evening, and a safe ride back home. Thank you.